Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui, énormément de choses à voir. 1 milliard 500 millions de puissance, les nouveaux KVK, la fin de la lutte des 8, peut-être fake ou non. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais avant cela, les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et si ce n'est pas encore fait également, les amis, qu'attendez-vous pour nous rejoindre sur le Discord de la chaîne? C'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous y retrouvez toutes les infos, les rumeurs, les fakes, les pas fakes, les fuites, les leaks. Tout est sur le Discord, les amis. Et même des sections recrutement jump. Il y a tout, vous verrez. N'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, commençons tout de suite par les events. Déjà, depuis le patch, vous le constatez tous, peut-être ou pas si vous avez déjà acheté tous les packs, on a des lots perdus qui sortent de nulle part comme d'habitude. Vous me posez plein de questions sur ces lots. Qu'est-ce que c'est? D'où viennent-ils? Eh bien, c'est relativement simple. C'est tous les lots qui ont été ajoutés au fil des mois et des années pour les joueurs qui arrivent à un certain stade dans le jeu. Par exemple, quand vous débloquez les T4, les T5, les armures épiques, les armures légendaires, eh bien, on vous permet d'accéder à des packs. Eh bien, si vous avez raté ces packs et que vous avez trop d'argent, Lilith, dans sa grande générosité, vous permet de les acheter. En général, c'est des packs plutôt intéressants puisque c'est des packs qui, je vous ai déjà expliqué ce principe commercial, marketing plutôt, qui fait que lorsque vous allez faire un achat, vous allez être plus à même d'en faire un autre par la suite. Donc Lilith fait tout pour provoquer ce qu'on appelle le premier achat. C'est pour ça qu'il vous donne Minamoto pour 1€ seulement, etc. Car dès le moment où vous avez mis 1€, voilà, vous avez passé la barrière psychologique d'investir de l'argent dans un jeu vidéo, dans du virtuel. Et c'est tout bénef pour eux, vous serez plus à même d'en mettre. C'est pour ça que c'est des packs qui sont très souvent très très intéressants. Au niveau des events, donc pas grand chose, hein, la maison d'Esmeralda, je vous l'ai déjà dit, c'est intéressant, je vais vous faire un petit tirage, il reste 17h40 minutes et 55 secondes, c'est intéressant si vous avez du craft à faire, c'est pas l'event du siècle. La balade de Yann, elle est easy peasy, vous la connaissez, c'est vraiment des rewards hein, qui sont cadeaux. Au niveau de Sacre, hein, évidemment, il faut prendre en priorité les petites pièces pour les échanger, les pièces d'exposition. Dans le musée, prenez que ça si vous n'avez pas la possibilité de prendre le reste. En revanche, si vous pouvez prendre d'autres trucs en plus comme moi, vous prenez des clés de souverain. C'est évidemment ce qui va être très sympa à investir lorsque le KVK va être débloqué notamment. Bon, c'est déjà commencé. Et d'ailleurs, regardons à présent le KVK. Alors, pour ceux qui se sont posé la question, est-ce que on va avoir les commandants, les nouveaux commandants légendaires que je vous montre dans la vidéo d'hier? Si vous l'avez raté, les amis, n'hésitez pas à la voir. Alors oui, ils vont pop, mais pas pour le moment. Je vous le rappelle, il faut être dans le nouveau système de KVK. Le nouveau système de KVK, regardez, je vais vous le montrer immédiatement. On va sur la gestion de mes personnages, on va aller sur mon compte qui est sur un autre KVK. Et ça va me permettre de vous montrer l'info du moment en point 1 et aussi le nouveau KVK, l'info du moment, la rumeur qui sort de nulle part, qui vient d'un chat du 1307. Vous allez voir ça, mais avant cela, regardez, on a le nouveau système de KVK. C'est bien du hymne héroïque hein, qu'on appelle pionnier à présent, hymne héroïque puissant sup. Les mecs s'emmerdent pas en termes de skin. Hein. Regardez, ils ont juste rajouté une bannière éclatée, puissance sup. Ne tient même pas hein, en traduction française. Les caractères sont mangés. Kevin, il va falloir que tu te lâches un peu et que tu engages des designers parce que là où tu diminues la taille de la fonte pour que ça soit plus petit. Et donc pionnier. Et regardez, petite particularité. 1. On annonce les récompenses de pionnier. Vous avez 1500 gemmes, 3 clés de souverain et 2 coffres de matériaux de choix en épique. Hein. On a une limitation et ça, on l'avait pas avant et ça, c'est totalement nouveau. Regardez, une limitation totale des royaumes inscrits, 60 sur 60. Donc là, à présent, il va falloir être très très rapide pour s'inscrire quand l'UD des 8 n'a pas de limitation. Donc vraiment, le but de Lilith, c'est faire aller tout le monde sur les autres KVK et non plus en hymne héroïque puisque tout le monde allait en hymne héroïque. Si on va sur à propos, regardez, il y a un petit point d'exclamation. Hein.
pourquoi introduire. Et il y a un petit système de questions-réponses, genre les questions aux développeurs que personne n'a jamais posées en vrai, hein, et juste Lilith se les auto-pose, les questions. Comme ça, c'est le meilleur moyen d'avoir les réponses qu'on veut. Pourquoi introduire le système pionnier? Bien que le développement de l'événement Hymne-Héroïque Puissance Sup soit en grande partie terminé, nous rencontrons toujours des problèmes avec le nouveau combat à distance. Le mécanisme actuel est un bon équilibre qui offre un scénario divertissant tout en nous permettant de rassembler des données pour corriger blablabla. Donc en gros, ils nous disent c'est un bêta test, hein, vous allez être testeur, et si c'est tout naze, bah, on vous aura déjà donné des récompenses. Quel genre de choses allons-nous voir dans cette histoire? Cette histoire offre des nouvelles options de combat. Là, ils reprennent le patch, hein, nouvelle stratégie à distance avec les, on obtiendra l'accès à deux chefs séroliques, je vous ai montré, exclusifs de l'histoire. Ces deux chefs ont des spécialités ingénieurs, avec les balistes ils peuvent construire des tours, mais pas que, encore une fois, hein, je vous renvoie à ma vidéo d'hier, ces chefs sont de mon point de vue éclatés, car pour les monter, il va falloir avoir des sculptures. Comment on obtient les sculptures? Event, à mon avis, bundle ou tout simplement des têtes en or générique. Ça va piquer, vous avez intérêt à être blindé, vous allez éclater votre PEL dessus. Donc, construire des tours de flèches permet un bombardement longue distance, longue portée des troupes ennemies, un tir de suppression efficace, blocage, vos troupes et les troupes alliées peuvent bloquer les troupes non alliées sur la carte, ça c'est top. Diplomatie de coalition, on a déjà vu, tours de flèches, évidemment, on connaît, les chefs et officiers d'alliance ont l'option de convertir, les chefs et officiers d'alliance ont l'option de convertir les drapeaux de croisade en tours de flèches, seulement les chefs et officiers d'alliance. C'est intéressant, on n'avait pas eu cette info, ou du moins je ne l'avais pas vu jusqu'ici. Où puis-je faire des suggestions ou des commentaires? La blague, service client, quoi. Les mecs, c'est des bots, ils répondent à peine à ce qu'on dit. Aurais-je une récompense spéciale pour ma participation? Oui, ils l'ont déjà mis, hein, la récompense spéciale. Pour recevoir des récompenses de base et de participation, en plus des récompenses originales associées à l'histoire, les commandants limités reçus en récompense. Écoutez bien la blague. Les commandants limités reçus en récompense, Wafura et Torni, ne peuvent être déployés que sur la carte de cette histoire et sont retirés lorsqu'elle est terminée. Évidemment, on va vous mettre une petite carotte, ça fait plaisir. J'espère que vous claquerez bien toute votre thune dedans. C'est le sous-entendu, les récompenses spéciales. Les gouverneurs participant aux événements Royaume Perdu auront droit aux récompenses suivantes distribuées après s'être téléportés sur le Royaume Perdu. 1000 gemmes, bon, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Les gouverneurs ayant au moins 10 000 points d'honneur à la fin de l'event recevront 500 gemmes de plus. Bon, 10 000 points d'honneur, c'est quand même très très facile. Voilà pour ce nouveau Hymne-Héroïque Puissance Sup. Le magasin, on peut regarder, hein, le magasin. Moins 50% de remise sur les sculptures de commandants légendaires. Il y en a 8, mais regardez, ils ont diminué l'autre ratio, les sculptures de commandants à 18, à 10 000. Il n'y en a plus que 18. Avant, si je ne dis pas de bêtises, c'était 25. Donc en gros, on en a 8 à 50% et une de plus, c'est sympa. Pareil, coffre de choix de matériaux d'équipement, il y en avait 10 je crois, là il n'y en a plus que 8 à taux plein et on a 33% de remise, on en a 4 pour 10 000. Ça, c'est pas mal. Franchement, là, ça dépend si, ça dépend du système parce que faut savoir que Lilith est fourbe et quand ils nous mettent ça en général, ils ont éclaté le nouveau système de pièces de saison. C'est pour ça qu'ils permettent de faire des remises parce qu'ils vont nous donner moins de pièces de saison. Donc ça sera à surveiller. On va voir au niveau des events. Au niveau des plans, rien ne bouge. Au niveau des cartes d'avatar, rien ne bouge. On a le palais de Top Capi qui est là aussi. Je vérifie, hein, le reste des skins si c'est les mêmes. Tout est identique. Au niveau des plans, rien ne bouge non plus. Donc juste cet ajout à 50% de 8 et de 4. Alors moi je l'avais jamais remarqué, peut-être ça date d'avant, mais en tout cas je ne l'avais jamais vu. C'est tout donc pour ce nouveau système de KvK. Mais la rumeur qui vient tout juste de sortir, hein, comme le dit Killer, hein, source Wish, hein, la source est éclatée. Personnellement, je n'y crois pas une seconde. Mais en tout cas, il y en a qui sortent que le nouveau système, enfin l'ancien nouveau système, lutte des 8, serait amené à disparaître. Alors franchement, ça pour moi, c'est du gros fake, hein. C'est du 100% Wishgate, hein. On est dessus. Les mecs, de mon point de vue, hein, je vous dis peut-être n'importe quoi, les mecs de mon point de vue chez Lilith ne vont pas supprimer le lutte des 8 en saison de conquête, alors qu'ils font tout actuellement, ils font tout
pour qu'on aille dessus. Regardez, il y change l'hymne héroïque, il le bride à 60. Sur mon KVK, ils nous ont même empêché de nous inscrire en hymne héroïque en ne débloquant que la lutte des 8 et la conquête du désert. Donc clairement, et la marche des âges, hein, prochainement, le truc, ça fait un an qu'il est en prochainement. Donc à mon avis, cette rumeur, elle est totalement éclatée. À ne pas croire pour le moment, tant que le 1093 ne l'a pas sorti, ça reste au stade de rumeur totalement éclatée, les amis. Retournons sur le 1256 et parlons à présent sur mon main, hein, et parlons à présent de ce joueur qui vient de passer tout simplement la barre du 1 500 000 000 de points. Vous vous doutez de qui c'est, là je vous entends à travers l'écran. Certains disent, mais oui c'est Baba lors du KVK. Eh bien non, ce n'est pas Baba, c'est notre ami qui est accusé d'être un développeur Lily. Marverick L, 1 532 millions, 66 449 points de puissance. Kill point, alors un kill point, hein, on le sait, Marverick c'est pas le roi de la bagarre, c'est pas notre ami Naruto, le mec il est à 6 milliards quand même, 341 millions, 331 220 000 points, mais c'est pas mal du tout quand même en kill point, ça reste respectable, faut voir la répartition, mais en tout cas 1 milliard 500 millions de puissance, laissez tomber quoi, le mec il a 20 fois ma puissance, ça calme, je pense que il perd 500 millions, ça ne se voit même pas, il le voit même pas. Il voit même pas ses troupes qui lui manquent. En tout cas, c'est le numéro 1 à ma connaissance en termes de puissance. Et très probablement, au rythme où ça va, ça sera le premier joueur à atteindre les 2 milliards de puissance. Avant de passer à mon KVK et aux autres KVK, regardez la nouvelle carte du KVK saison 1. Alors, je vous avais dit moi-même, je pensais que ça allait être la même carte que l'Heroic Anthem. C'est ce qu'il allait avoir de plus simple. Eh bien non, regardez cette carte, elle est assez chelou je trouve, hein. Alors elle vient évidemment de serveur vietnamien, regardez je la trouve vraiment très spéciale. Alors déjà elle est plus petite qu'une carte héroïque en thème où on est 4, c'est l'impression que ça donne, je pense qu'elle l'est vraiment. Il y a des zones où on est totalement seul, on ne risque rien. Regardez tout de suite, hein, si vous regardez juste en dessous la zone verte là, où on a un nom en vert, qui est le royaume en question d'où vient le screen, regardez la zone en dessous, eh bien il sera tout seul, il n'y aura pas de souci. Il y a une zone où ils vont pouvoir se battre tout à gauche, hein, sur les côtés de toute petite zone là, et avec un sas et une séparation. Une zone où il va avoir sûrement les ruines ou les hôtels, mais il y a beaucoup de zones où on est seul avant de se fight directement sur les terres du roi et là où tout le monde se retrouve. Je trouve vraiment, vraiment cette nouvelle carte ultra chelou. Beaucoup, beaucoup de zones. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur le Discord. Mais je trouve qu'il y a énormément de zones où il ne va rien se passer et on va attendre que le temps passe. Alors oui, ça va protéger les serveurs les plus faibles par rapport aux serveurs les plus puissants et leur assurer un minimum de jeu et de reward. Mais le KVK, c'est du fight et s'il n'y a pas de fight, ça sert pas à grand chose d'aller en KVK. Donc vraiment, je suis très surpris par ce choix de la part de Lilith. Voilà pour la mise à jour, les amis. Passons à présent à mon KVK. Et regardez, on est à la fin du niveau 3. Il ne reste plus que 17h27 minutes et 38 secondes avant la fin de l'étape. Et comme annoncé, hein, le 1556 a désintégré tout le monde. Alors déjà, on voit Faux qui a fait le taf, justement, hein, Faux du 1556. Il est premier à 145 millions, hein, avec près de 15 millions d'avance sur tout le monde. Hein. On a troisième un autre joueur, non, on est à troisième un SW, hein, du 1254, Sean et Baba, et quatrième, beaucoup de 1556 dans le classement, comme vous le voyez, le 2244. Pas mal du tout, le premier joueur de mon royaume, le 1256, est-ce qu'on a un joueur dans le top 100? Est-ce qu'on a un joueur dans le top 100? Je cherche. Qui aurait bien plus cassé chez nous? Non, je ne pense pas qu'on ait de joueur dans le top 100, malheureusement. Malheureusement, je l'ai peut-être raté. Non, on n'a plus de joueur dans le top 100.
Actuellement, pourtant, on a des très très gros spenders, hein, mais ça montre le niveau du KVK. Au niveau du classement général, le 15-56 en royaume a éclaté tout le monde, hein. Il a presque le double de points du deuxième, hein, enfin un peu moins 80% de plus, hein. Alors, on le sait qu'on est le petit poucet de ce KVK, mais ça va quand même le faire. On va tout donner comme à chaque fois. On passe à présent, les amis, à ce KVK de ouf, Raise of Fortress, hein, là-dessus, hein, on est vraiment en plein dedans, je vais vous montrer ça. Évidemment, Diego, mention spéciale, petite dédicace pour toi, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Diego, il est sur le Discord, il est sur le 1412, hein, c'est un Padawan sur le Discord. On va aller voir son KVK de ouf et vous allez comprendre que en matière de Raise of Fortress, là, il y a de la concurrence pour le 1093. On est clairement à un très très haut niveau. Vous l'avez vu immédiatement, hein, je suis arrivé sur la zone. Regardez ça, mais qu'est-ce qui se passe pour nos amis du 1412? Est-ce qu'ils ont totalement craqué? Regardez le nombre de forteresses. Alors, on va tenter de les compter parce que là, il y a un record du monde. Hein. Bon, alors, si on tente de les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 46, 7, 8, 9, 10, 50 forteresses. Il y a bien 50 forteresses. En tout cas, moi, j'en compte 50. Si vous comptez un nombre différent, encore une fois, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Il y a 50 forteresses sur la zone lava. Non, mais les mecs, vous êtes sérieux avec vos 50 forteresses? Sérieusement, c'est un truc de ouf. J'ai jamais vu autant de forteresses sur une zone de jointure, hein, comme ça, en lava, juste une zone 4, c'est assez ouf. Alors, j'ai déjà vu des forteresses à mort pour défendre et bloquer un territoire, ou bloquer la forteresse pour pas se la faire prendre, comme le SW avait lâchement fait. Fut une époque, hein, on s'en rappelle tous, il y a même une vidéo que je vous ai fait dessus. Mais là, sur cette zone, ils ne veulent vraiment pas se faire manger le territoire, parce que regardez, hop, je vais dézoomer, hop là, il a changé de territoire. On dézoome, on rezoome. Regardez pourquoi ils ont fait ça, c'est simple, hein. Si on regarde, ça doit brûler à mon avis. Ouais, voilà, ça a brûlé, ça ne brûle plus, mais forcément, hein, ils sont en train de perdre sur ce territoire, voilà. Le 1412 est en train de perdre et mettre des forteresses comme ça, c'est la seule solution qu'ils ont pour s'assurer un maintien et peut-être réussir à aller en Brookton, poser masse forteresse et aller en terre du roi en attendant que leurs alliés puissent venir les aider, parce qu'il faut savoir au niveau de leur KVK ici, bah c'est difficile, hein, pour le 1412. Ils ont perdu de ce côté là, leurs alliés aussi ont perdu de tout ce côté là. La seule zone, c'est dur à dire, hein, la seule zone qui est possédée par le 1412 et leurs alliés, c'est la zone en Dimbrocro, si je dis pas de bêtises, et la zone en Okuri. Ces deux zones-là, puisque les trois, hein, le royaume de Leverkusen, le royaume de Tahiti et le royaume en San Pedro, sont les alliés du 1412. Donc c'est ce côté-là. La seule chose qu'ils peuvent espérer, c'est que leurs alliés fassent une percée en Passuruan, par exemple, ou en Betafo, hein, maintiennent et viennent les soutenir, soit en passant par Chiki, soit en passant par Brookton, ou s'ils arrivent à l'enterre du roi, hein, qu'ils arrivent à avoir plus de force sur le champ de bataille. Mais ça va être chaud avec tout ce qu'ils sont en train de laisser. Ils sont vraiment en train de perdre beaucoup de puissance, le 1412. Hein, si ce n'est pas encore fait, ils vont sortir prochainement du statut Imperium. C'est obligé vu tout ce qu'ils laissent dans la bataille. C'est très très chaud pour eux. Mais en tout cas, là, à ce stade, c'est quand même très compliqué pour eux. Mais ils donnent tout, hein, la technique des forteresses. Hein. C'est une technique de Rise of Fortress, hein, une technique discutable, discutée et critiquée. Mais c'est une technique utilisée par la plupart des très gros royaumes. Lorsqu'ils vont perdre de territoire, ils bloquent comme ça avec des forteresses. Voilà, écoutez, c'est tout pour la tournée des KVK actuellement, les amis. Évidemment, il y en a plein d'autres que je souhaite vous montrer, mais on en reparlera dans la semaine. S'il y a des news au niveau du nouveau système de patch des commandants, parce que
ça n'a pas l'air très stable quand même tout ça. Je manquerai pas de vous tenir informé si cette vidéo vous a plu les amis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock.